Mon territoire foisonne de belles énergies et j'ai créé Esperluette pour vous inspirer et vous donner envie de vous lancer à votre tour. Une des clés pour avancer, c'est de se sentir bien à l'intérieur de soi. C'est pourquoi j'ai proposé à Myriam Mendy, enseignante de Kundalini Yoga, d'enregistrer une fois par mois ses petites pauses méditation. Une bulle de bien-être de quelques minutes que vous pourrez vous offrir plusieurs fois dans le mois selon vos envies. Bonne écoute! Si vous démarrez cette écoute, c'est que vous avez envie de faire une pause intérieure. Vous pouvez méditer n'importe où, au bureau, chez vous. Peu importe, dès l'instant où vous êtes dans un endroit calme et que vous stoppez complètement l'activité que vous faites. Ce mois-ci, je vous propose une méditation debout. Cependant, si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez vous mettre assis sur une chaise. Dans ce cas, vos jambes doivent être décroisées, les pieds reposant bien à plat sur le sol. Et visualisez-vous dans la posture debout. Vous devez être confortable dans vos vêtements. Ils ne doivent pas vous serrer. La méditation dure 7 minutes. Pendant toute sa durée, vous respirerez uniquement par le nez. Fermez vos yeux. Laissez-vous guider. Vous avez rendez-vous en terre intérieure. La méditation de ce mois s'appelle l'arbre. Prendre conscience de votre enracinement, de votre ancrage pour vous aider à résister aux éléments extérieurs. Épuisez votre force dans le sol. Pour cette méditation, je vous invite à enlever vos chaussettes pour mieux ressentir les bienfaits. Vous êtes debout, les jambes ouvertes de la largeur des hanches, vos pieds sont parallèles, vos genoux sont légèrement déverrouillés, votre dos est droit. Soulevez un peu votre poitrine pour positionner correctement vos épaules et rentrez légèrement votre menton vers l'arrière pour protéger votre nuque. Grandissez-vous comme si un fil invisible vous tirait vers le ciel. Vos bras sont relâchés de part et d'autre de votre corps, vos épaules détendues. Les yeux clos, portez votre attention sur votre respiration, sans la forcer, juste suivez-la. Sentez vos poumons se gonfler, se remplir à l'inspire. Observez votre diaphragme se relâcher à l'expire. Votre ventre est détendu, vos mâchoires sont desserrées. Imaginez-vous dans une clairière, les arbres vous entourent, le ciel est bleu, le soleil brille. Écoutez le silence de la forêt. Portez votre attention sur vos pieds. Sentez le sol sous vos plantes de pied. Sentez le poids de votre corps qui se concentre à cet endroit précis, sur la surface en contact avec la terre. Inspirez longuement. Et à l'expire, enfoncez-vous plus profondément dans le sol. Continuez, et à chaque expire, visualisez vos pieds descendre un peu plus. Puis petit à petit, des racines se forment sous vos pieds et grandissent dans la terre. Vous les visualisez sous vous s'étendre encore plus. Sur les côtés, devant, derrière. Laissez-les se propager, occuper tout l'espace dont elles ont besoin. Vous vous sentez ancré,
enraciné dans la terre, dans la matière. Votre réseau de racines vous apporte la stabilité, la sécurité, la confiance. Vos racines puisent en profondeur dans le sol. Elles entrent en contact avec l'énergie de la terre. Prenez conscience de cette énergie souterraine, puissante, pleine de force vitale. Imaginez-la comme une source de lumière qui arrive du tréfonds de la terre. Visualisez vos racines absorber cette énergie lumineuse et la remonter jusqu'à sous vos pieds. Observez-la, montez le long de vos mollets, vos jambes, gagnez votre taille et s'élevez le long de votre colonne vertébrale. Vos vertèbres s'étirent, vous vous sentez poussé vers le ciel. Vos jambes sont parfaitement droites, solides, elles forment un beau tronc. Dense, résistant. Sur une longue inspire, vous allez lentement lever vos bras à l'horizontale, de chaque côté de votre corps, paume de main vers le haut. Faites-le en conscience, comme si vous vous dépliez, comme si vos bras sont des branches qui se déploient de part et d'autre de votre centre. Inspirez, ouvrez grand votre cage thoracique, ouvrez votre cœur et faites monter l'énergie dans le centre de votre arbre. Expirez, visualisez de nouvelles branches grandir vers le ciel et former une circonférence au-dessus de votre tête. Sur les prochaines inspires, visualisez de nouvelles branches qui grandissent, vous prennent de l'envergure. Ce sont de belles branches, solides, résistantes au vent, à la pluie, à la grêle. Elles sont couvertes de feuilles vertes, pleines de vie. Vous pouvez même visualiser des fleurs, recouvrir les branches jusqu'à la cime de votre arbre. Votre réseau de branches vous apporte la détermination, la volonté. Entre terre et ciel, vous ne faites qu'un. Vous êtes l'arbre qui se déploie, profondément ancré dans le sol, solide dans ses racines, qui s'expanse vers le ciel et s'élargit. Puis vous allez prendre une grande inspire. Et à l'expire, baissez lentement vos bras le long de vos cuisses. Ouvrez doucement vos yeux. Revenez à votre corps, ici et maintenant. Étirez-vous. Bâillez si vous en avez envie. Et à tout moment de la journée, vous pouvez vous reconnecter à ce sentiment d'enracinement dans la terre, dans la matière, dans le réel. On ne peut se déployer que si on est bien ancré. Merci de vous être offert ce voyage en terre intérieure.